Ah voilà, mais aussi je vous ai reconnu. J'ai dit... Et voilà parti pour la 5e, le Grand Prix des Bouliches à 12,5%. Une course longue de 2300 mètres s'adressant à des bouliches âgées de 3 ans. C'est un très bon départ collégial avec le meilleur à mettre à l'actif de Césarine. Progressivement sur la vague des cornes, à la hauteur de Corrèze, de Galop, Maëva Nat, qui est poursuivie ensuite à son extérieur Fort-et-Loire, à l'extérieur de Fort-et-Loire. Lance maintenant à sa poursuite. En troisième position, Progresse vivement quasiment die-die. Alors qu'il y a la chute de Rose-Nora Gave dans le tournant final. Une petite ligne droite avec côté corde Césarine qui a l'avantage. Attaqué maintenant par Pesimo Dai Dai. Hop, Corrèze, troisième victoire de Fayador qui perd la victoire. Allez, la sortie du poteau. Pesimo Dai Dai qui a l'avantage de Fayador. Bravo madame, et alors expliquez-nous, propriétaire et éleveuse, c'est ça? Oui, c'est mon premier produit de course. Ah, tout simplement? Oui. Et la mère, vous l'avez toujours? Oui. Et donc c'est votre première jument aussi? Si. Très bien. Et expliquez-nous, vous venez d'où? Je suis italienne et je viens de l'Allier. De l'Allier? De l'Allier, oui. Ah bah, très bien. Et vous élevez en Italie ou en France? Non, en France. J'ai repris la ferme de Denis Paroda. D'accord. Très bien. Félicitations et puis bonne continuation. Merci. Bravo, félicitations. Petite interview, alors vous avez explosé de joie, passage du poteau. Oui, la journée n'avait pas très bien commencé. Donc du coup, cette petite jument, j'y croyais dur comme fer. Elle avait tout pour gagner aujourd'hui. Elle n'est pas grande du modèle, mais elle a un gros cœur. Et pour son entraîneur et pour tout son entourage, je suis vraiment d'avoir gagné cette course-là. C'est une pouliche à suivre pour à 4 ans aussi. Oui, bah, vous voyez, elle n'est pas combien grande de modèle, mais elle a un cœur exceptionnel, donc pourquoi pas l'année prochaine, elle peut encore faire mal. Bravo, félicitations.